en groupe N Suisse avec sa groupe GT Suisse avec sa Porsche. Philippe Camandona, sa première course en Belgique, il est actuellement en quatrième position. Champion suisse de nombreuses victoires, première course en Belgique, son copilote est Roger Jamoul. La carrette qui a été conduite la saison précédente par Sepp Enger, autre pilote officiel de l'usine Opel. Théo Vandenberg pour Erwin Doctor, champion hollandais, quatrième l'an dernier. Voiture numéro 4, Chibos et Tom Hillen, des autres hollandais, sur une Lancia Delta Integrale. Voiture numéro 4, ils sont actuellement 7e. Équipage hollandais, Lancia Delta Integrale, Chibos, 7e du classement. Voiture numéro 4, l'ancien Delta Integrale, 7e. Et voici Marc Timmers, numéro 5, la Mitsubishi. Marc Timmers, champion de Belgique, groupe N. Marc Timmers, première des voitures du groupe N. Marc, deuxième des voitures du groupe N. Actuellement, Marc Timmers est 8e au classement. Thomas Spahn, deuxième voiture du groupe N, le leader du groupe N, étant Jean-Marie Nielsen. Donc la lutte entre ces deux voitures pour le groupe N, entre Jean-Marie Nielsen et Marc Timmers. Voilà le temps total de Marc Timmers, 27 minutes 51, pour Jean-Marie Nielsen, 27-23, donc un écart de moins de 30 secondes sépare ces deux voitures du groupe N. Et voici Renaud Verret et Georges Billard, follement applaudi, ils sont en tête de ce rallye pour l'équipe de Breuer. Tout s'est très bien passé entre Spa et Dinan, puisqu'on a parfait la mise au point de la voiture, surtout au point de vue freinage. Voiture numéro 6, Renaud Verret et Georges Billard, ils sont actuellement en tête avec un temps total de 25 minutes 46 secondes. Les meilleurs temps dans la première, deuxième et troisième spéciale et deuxième temps dans la quatrième pour la Toyota Celica couleur Pina. Renault, et voici Marc Soulet. Marc Soulet, une splendide deuxième place. Marc Soulet, rappelez-vous, l'an dernier avec déjà une Fortiera Corsoir, mais une deux roues motrices. Cette année, une quatre roues motrices. Son copilote Jean-Marc Fortin. Et Marc Soulet vient donc de prendre la deuxième place. Voiture numéro 7, Fortiera Corsoir aux couleurs Risla. Quatre roues motrices.
Franchement, je suis vachement détendu. Oh,
points. Adieu. À 2h du matin, lorsqu'il rentrait, le rallye était loin d'être terminé. Alors, cette deuxième journée, après un remplacement de boîte, comment ça s'est passé? C'était passé très bien parce qu'on a eu, pour nous, on a eu la chance que Renaud Verrette a eu des problèmes parce qu'on a eu un grand concurrent, lui, ce week-end. Et c'est très dommage pour lui parce qu'il a fait des bons temps. Et je crois que Renaud, il est en forme maintenant et pour le reste de la saison, je crois qu'il faut se mettre à lui. Dites-nous un peu, dernière question avant de rejoindre le parc fermé. Une victoire à Spa, c'était la première avec cette nouvelle voiture que vous ne connaissiez pas. Une victoire ici à Dinan. Est-ce que 1991, c'est de nouveau une année pour l'équipage Bastos et la voiture La Sierra? J'ai cru oui, parce que le but c'était de gagner des courses et surtout de gagner le titre de champion en Belgique. Et je crois qu'on est bien parti et j'ai dit jamais
de son frère. La troisième, ce sera au fin. Bravo encore à cet équipage. Et nous allons appeler maintenant le patron, c'est un patron Bastos, Georges Paul. La voiture va être mise au parc fermé. Alors, Monsieur Paul, sixième victoire pour Patrick Sneijers. Cinquième fois que cette voiture roule sous vos couleurs. Deuxième victoire en 1991. Comme Dani l'a dit, le titre de champion pour Bastos, jamais... Sixième victoire, c'est merveilleux. Lilian, on adore. Lui adore, nous, on adore. Et il faut quand même, je crois, rendre hommage à Renaud Breil, qui a fait un petit peu la surprise ici en début de parcours, qui a rendu la course palpitante. Ça s'est terminé un petit peu tôt, mais bravo Patrick, et bien on verra, on est bien parti. Eh bien, encore une fois, merci à ce sympathique équipage et à son sponsor. Sixième victoire pour Patrick Sneijers, deuxième victoire 1991. Rendez-vous à Jalais pour les Hauts-de-Fagnes. Et maintenant, place au suivant. La voiture au parc fermé, au contrôle technique. Comme à Spa, cette voiture est bien sûr plus que conforme. Préparée chez RAS à Charleroi. Et la deuxième voiture qui va revenir est encore une Ford Sierra Corsport 4 roues motrices. Pour cet équipage de la Ford Sierra Corsport aux couleurs de Rizla, troisième à Spa, deuxième à Lina. On applaudit maintenant Marc Soulet et Jean-Marc Fortin. Marc Soulet, Jean-Marc Fortin, Ford Sierra Corsport, voiture numéro 1. On va demander à Marc de sortir de la voiture. Les photographes, les caméramens sont là. Marc, bravo, bravo. Voilà, tu peux monter sur le toit de la voiture avec ton copilote Jean-Marc Fortin. Vous allez recevoir de la part des hôtesses également le champagne. Le champagne qui va gicler vers les nombreux spectateurs, supporters. Et ensuite, ce sera l'interview pour ce pilote de Rizla. Dimanche dernier, une voiture préparée dans ses ateliers remportait l'épreuve à Saint-Tron. Et le patron du team Target Sport, eh bien, amène cette voiture à une deuxième place après la troisième. Voilà, Marc Soulet boit d'abord le champagne. Et ensuite, sur les spectateurs. Voilà, Marc, on va le laisser redescendre de la voiture. Marc, à Spa, il y a moins d'un mois, troisième, c'était une très belle performance. Maintenant, à la deuxième épreuve, deuxième. Vous avez déjà remporté, il y a deux ans, une épreuve au championnat d'Europe, c'était en Pologne. Alors, Marc, pourquoi une fin de saison 1990 si brillante et un début 1991 encore plus brillant, puisque troisième à Spa, deuxième à Dinan, peut-être une première place, pourquoi pas, à Jalais. Si on a une progression mathématique, oui, c'est possible. Enfin, je doute quand même qu'on puisse faire premier. Je crois qu'il y a des gens très capables devant, qui ont super bien roulé. Comme on l'a dit, c'est dommage pour Renault. Enfin, je crois qu'il a encore de beaux jours devant lui. Alors, en ce qui concerne, disons, les bons résultats, je crois que c'est le travail de toute une équipe qui a pris conscience de ses moyens. J'ai peut-être pris conscience aussi de mes moyens et je crois que tout le monde est content, en tout cas dans notre équipe, parce que tout marche bien. En plus, maintenant, on a fait rouler la voiture nationale et ça s'est très bien passé aussi. Parlons du national, parlons de ANU, puisque dimanche prochain, ce sera une autre épreuve nationale ANU. Votre voiture, une voiture préparée dans vos ateliers, sera comme à Saint-Tron au départ et Marc Soulet donnera les directives pour une nouvelle victoire. Mais c'est sûr, on va à ANU pour gagner et j'espère que Guy va tout faire pour gagner. Comme ça, on fera un terrible triplé sur trois semaines et je crois que c'est extraordinaire pour l'équipe. Voilà, bravo à Marc Soulet, troisième à Spa, deuxième à Dinan et peut-être une voiture de son team dimanche sur la plus haute marche du podium à ANU. Et voici, on va également c'est Philippe Tamagoma.
sur la voiture, les hôtesses de Baston sont là. Philippe Camandona félicite son copilote belge, Roger Jamoul. Alors, sur la voiture, c'est ainsi que ça se passe en Belgique. Alors, sur la voiture pour le champagne. Et Philippe Camandona nous disait qu'il n'était pas habitué de cela en Suisse. Il avait remporté 6 épreuves, mais il n'y avait pas, bien sûr, tant de monde, ni tant de champagne à l'arrivée. Voilà donc Philippe Camandona. Oui, bien sûr, les caméramans, les photographes belges, les photographes venus également de Suisse. Alors, Philippe, votre première participation en Belgique, vous connaissiez les rallyes belges, vous étiez venu comme spectateur. L'an dernier en Suisse, un titre de champion de Suisse et 6 victoires. Alors ici, la première voiture des deux roues motrices, auriez-vous pensé ça en venant ici pour la première fois comme concurrent d'une épreuve du championnat d'Europe? Il ne sait pas dire, hein, car ça change de la Suisse. Non, c'est vraiment fantastique. J'ai très très apprécié le terrain, qui est un peu différent de la Suisse, mais très très rapide et très bossé. Et puis notre troisième place, le premier des deux roues motrices, je l'espérais au fond de moi, mais comme je ne suis pas prétentieux, je n'osais pas l'avouer. Et Bruno, on a fait une bagarre très 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 sportive. Et il nous a donné tous les temps, ainsi qu'Opel. Vraiment, je les félicite et ça me fait très très plaisir de revoir l'ambiance qu'il y a au championnat d'Europe. C'est vraiment super. Bravo à tous. Et merci à Philippe Camandona, Régine Jamoul, cet équipage pilote suisse, champion de Suisse, première fois en Belgique et directement une troisième place. Parc fermé, merci. Et on espère vous recevoir très vite en Belgique. Sept dans le groupe A. Après une cinquième place, une dirigée par le triple. Son contrat, il devait terminer ce rallye. Comme l'a dit Philippe Camandona, c'était une belle bagarre, mais la puissance de la Sierra était là. Alors, Bruno, c'est la deuxième course avec cette voiture que vous avez inaugurée au Garrigue avec une cinquième place. Ici quatrième, de nouveau leader de la classe 7 du groupe A, des points engrangés au championnat de Belgique. Je crois que pour vous, chaque fois que vous êtes passé au podium, c'était le sourire. Je crois que Dinan, ça a été une course sans problème technique. Pour moi, c'était une course fantastique. C'est vrai que je tiens à remercier surtout Tim Ashton et son équipe parce que la voiture a tourné vraiment connu dans l'eau. Je m'en reviens pas parce que voilà, dès le rallye de Garrigue, dès sa première course, la voiture était déjà bien au point. Puisqu'on a eu l'occasion de se battre avec la concurrence, donc les Français qui étaient habitués sur ce genre de circuit. Et je tiens surtout à remercier l'équipe Open parce que bon, ils font un boulot fantastique et c'est tout comme une horloge, la preuve en télé dans un jour. Eh bien bravo, quatrième au général, leader de la classe 7, première des Open, bravo à Bruno Thierry, Stéphane Prévost.
que le champagne. Et commencement, bien sûr, sans problème pour Jean-Marie et Mélissène. Nous allons laisser donner le champagne par les hôtesses Bastos. La bise à Jean-Marie. Les photos ici, bien sûr, vous vous passez sur la voiture et après on fera l'interview. Car commencement, premier du groupe N, c'est Jean-Marie Mélissène, Jean-Louis France, une Fortier Accord Sport aux couleurs de Techno Assistance. Voilà, donc, et oui, Jean-Marie Mélissène monte sur la voiture, il est habitué, c'était déjà ainsi à Spa. Et tranquillement, pour Jean-Marie Mélissène, déboucher les bouteilles de champagne, on a le temps, et on fera l'interview de Jean-Marie dans quelques instants. Une victoire commence pas, alors c'est attention vers les spectateurs, car Jean-Marie aime arroser les spectateurs et qui l'ont supporté, qui l'ont soutenu pendant tout ce rallye. Alors Jean-Marie, à Spa, je faisais l'interview du vainqueur du groupe N, c'était Jean-Marie Mélissène et Jean-Louis France. Ici à Dinan, c'est de nouveau une victoire. Regardez le geste sportif de Jean-Louis France, il a donné sa bouteille de champagne également, comme Jean-Marie Mélissène. Alors, une victoire au classement général d'une Fortier Accord Sport en groupe A. Une victoire de Jean-Marie Mélissène en groupe N pour la deuxième épreuve de la saison. Un titre de champion de Belgique peut-être, car je crois que les autres voitures concurrentes sont assez loin. À quoi attribuez-vous cette double victoire de Spa et de Dinan? Je pense que le produit est super fiable. La preuve, on a gagné à Spa avec Patrick Steiner, c'est moi-même en groupe N. Bon, la voiture a marché du tonnerre, on n'a pas eu un seul ennui comparativement à Spa. Par contre, on a géré notre capital, on a fait une course sage, on n'a pas eu d'ennui, on n'a pas eu de crevaison, on a eu un peu de réussite aussi. C'est pas comme les concurrents, comme Marc par exemple. Mais enfin bon, le fait est qu'on était très très bien, on s'est bien préparé, les mécaniciens ont fait un boulot super, le manager, l'équipe est très très bien, on a une bonne structure, qui est très bien épaulé par mon. Et au niveau choix de pneumatique, l'expérience de Pierre Boss et de Yann Vandermaar, qui sont des vieux routiers, je veux dire, sont d'une utilité assez appréciable. Dites-nous un peu ce que le public ne sait peut-être pas. Vous avez débuté la compétition en moto, vous avez roulé en motocross, en régularité, en enduro. Vous avez parfois fait, il y a quelques saisons, des courses en enduro, ensuite des rallyes ou des rallyes et des enduro. Est-ce que vous attribuez ces performances, cette endurance en rallye à votre expérience de la moto? De toute façon, pour quel que soit le sport, le physique est très important. Il faut être bien mentalement, bien physiquement. Je pense que c'est notre cas. Maintenant, les antécédents de la moto, bon, c'est sûr que ça joue dans ce sens où on ressent très fort la voiture dans le baquet, un peu comme en moto, à part qu'on n'a pas de guidon, on a un volant et un baquet. C'est-à-dire que bon, là, c'est assez intéressant. Et alors, bon, pour les freinages, je pense que là, c'est pas mal pour le public. Mais ça, il faut poser la question au public. Alors, êtes-vous d'accord à ce que Jean-Marie Mélissène a dit? Voilà, et bien, merci à Jean-Marie Mélissène et à Jean-Louis France. Commence pas les vainqueurs du groupe N. Première Lancia Delta Integrale, premier équipage étranger venant de Hollande, c'est Chico Slimbo-Kin. Ils sont cinquième du classement général, premier équipage étranger, premier hollandais, cinquième au général.
Les voitures vont continuer à rentrer. Nous essayerons de vous donner le classement pour la plante Patricia à remporter donc ce circuit des ordinaires. La place 6 du groupe 1, Bernard Munster. Bernard Munster, félicitations d'abord pour votre fin de course. Vous êtes montré plus rapide avec une Corsa GSI que le pilote de Hollande avec la cadette. Alors Bernard, il y a quelques semaines, on faisait l'interview sur le podium à Spa. Vous étiez 7e, premier de groupe de classe 6 du groupe A. Ici, vous êtes en 7e position également et premier de la classe 6 du groupe A, première Corsa. Alors ça va continuer, 7e, première place, première Corsa. On va essayer déjà qu'on commence déjà à faire des temps scratch. Il faudra quand même qu'on fasse attention parce que j'ai l'impression qu'on est un peu trop risqué. Bon, évidemment, également sur les écrans TV, on a vu dans une spéciale un passage sur deux roues, un passage un peu catastrophique. Bon, comment ça s'est passé ce circuit des Ardennes au point de vue de votre santé? Car après la France, vous étiez revenu en Belgique avec des grosses douleurs au dos. Ce circuit des Ardennes très rapide, mais pas trop osselé. Aucun problème, tout était bon au niveau physique. Oui, aucun problème avec le dos, tout allait bien. Je crois que pour le prochain rallye, qui probablement on va aller à Jalais. Donc je donne rendez-vous à tout le public pour aller nous voir et nous supporter comme ils ont fait ici. Ça a été formidable. Eh bien, merci pour Bernard Munster et Patrick Reven. Et regardez maintenant comment Bernard Munster va entrer dans la petite Corsa. Bernard Munster, 7e au général, première Corsa, première voiture de la classique du groupe 1. Commence pas, il vous donne rendez-vous pour Jalais. Une Opel Cadette GSI, 2e de la classe 7 et 8e du classement général. Cet équipage hollandais de Erwin Doctor et Theo Babelberg, une Opel Cadette GSI de l'Opel Liberty Hollande. C'est une des anciennes voitures de Sepp Heiner, deuxième équipage hollandais, équipage de la voiture numéro 3. La des victoires en groupe N. Ici à Dinan, une splendide remontée, mais je crois qu'aujourd'hui, les autres voitures étaient trop puissantes. Alors, quand vient ce fameux nouveau moteur pour permettre à Marc Immers d'être, comme l'an dernier, le meilleur du groupe N? Tout d'abord, on ne sait pas quand le nouveau moteur va arriver. Ce ne sera pas pour Jalais. Ce ne sera pas pour Jalais, ce ne sera peut-être pas pour la semaine dernière, on n'en sait rien. Tout dépend du Japon maintenant. Ils doivent faire évoluer un nouveau moteur, mais on ne sait pas quand on va disposer des nouvelles pièces et dans les pendules. Jean-Marie peut peut-être gagner encore toutes les autres courses, ça fait bien ça. Bon, ici, votre déconfiture, puisqu'on était habitué à des victoires de Marc Immers en groupe N, vous êtes, je crois, 3e du groupe. Vous n'êtes même pas la première des Mitsubishi. Alors, Marc n'a pas été battu sur sa valeur, car aucun problème. C'était vraiment pour 1991 un manque de puissance des Mitsubishi face au Sierra. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Marie Bouetz, hein, qui est la pilote expérimentée et tout, mais même sa porte, elle était devant moi, à un moment j'avais difficile à la suivre. Et ce serait comme ça pour le moment, tant que forte, un avantage, ils ont vraiment, je ne sais pas combien de choses, mais à partir. Est-ce que Guy Gossou, votre préparateur, ne va pas se fâcher, ne va pas envoyer un fax au Japon pour dire si vous voulez des victoires, il faut le moteur, pour décider les pilotes japonais, les préparateurs japonais à vous livrer rapidement ce moteur, car ça dépend quand même d'eux. Alors s'ils veulent voir de nouveau des victoires, il leur faut fournir un moteur à Marc. C'est sûr qu'à partir de lundi, ils vont tout mettre en œuvre pour essayer d'avoir une nouvelle pièce. Ce n'est pas pour ça. D'accord, on vous souhaite à Spa de revenir, on vous souhaite à Jalais de revenir, bien sûr, aux premières marches du podium en groupe N. Rappelez-vous la performance de Marc l'an dernier ici à Dinan, toute sa saison, et il est malheureux que, faute de puissance moteur, Marc ne puisse refaire ses performances de l'an dernier. Mais comme elle disait sportivement, cette année, c'est l'année des Sierra et celle de Millicent. Quand même encore bravo à Marc Immers, Théo Unens.
cette voiture en 11e position. BMW M3, première BMW M3, troisième voiture venant de Hollande, 11e au classement général.